Eh bien salut, bonsoir, macho boys et sexy girls et couilles bleues de nous vous souhaite la bienvenue dans cette première partie d'Assassin's Creed Unity Dead Kings qui est le DLC qui vient de sortir. Et là ici, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau chariot qui vous mène vers Franciade. Et c'est exactement ici, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste à côté du café théâtre et puis du chariot qui mène vers Versailles. Donc sans plus tarder, nous allons y aller. Alors rejoindre Franciade, désolé. Le bourg de Franciade se trouve au nord, c'est là que les Français ont enterré leur roi par deux fois. Ce contenu fait partie de la séquence téléchargeable, blablabla, blablabla. Bla bla. Donc, je m'en fous, on y va! Yaha! Voilà, il y a des nouveaux costumes qu'on peut recevoir grâce au DLC. Il y en a trois, en fait. Je vais vous le montrer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Et à ce qui paraît, il y a une campagne de 2 heures pour le DLC de Dead Kings. Alors, on va que... Bon... On va commencer par la campagne et plus tard, on va faire les missions annexes si vous le voulez bien. On verra. On va décider plus tard. Mais pour l'instant, on se concentre sur la campagne. C'est bon? Tan tan tan. Et voilà! Tan nan nan. Ubisoft Montpellier présente Assassin's Creed Unity Dead Kings. Tan tan tan. Ah, j'ai dit ça trop tôt. J'aurais dû attendre que le logo arrive. Salut. On dirait qu'il y a une sorte de bug. Attends une seconde. Une. Ça fait déjà une seconde. Toi, tu ne boiras pas une goutte avant de m'avoir payé, compris? Du calme. Il est avec moi. Hey, on se revoit. Je croyais qu'on vous avait guillotiné. Une bien triste manière de saluer ton sauveur. As-tu reçu mon message? Si je le fais, je veux quitter la France. Je peux m'arranger pour que tu embarques à destination de l'Égypte dans 4 jours. Avez-vous une idée de l'endroit où se trouve le manuscrit? Condorcet savait qu'il était traqué. Il a disparu 2 jours avant son arrestation et a laissé ceci derrière lui. Son manuscrit doit être dans le tombeau de Saint-Louis. La crypte royale! Ce lieu est maudit, monsieur. Les fantômes des rois hantent ces cavernes. Ils poursuivent leurs malheureuses victimes et lui enfoncent une couronne de couteaux sur la tête, les pauvres. Ça leur crève les yeux et ils éclatent comme des raisins trop mûrs. C'est de là que vous parlez? Cela reste bien moins effrayant qu'être couronné roi de France. En parlant de raisins, fais ton travail. Oui, monsieur. Trouve la tombe ornée de ce blason et récupère le manuscrit perdu. Nous nous reverrons dans 3 jours. À ta santé, Arnaud. Il était obligé de dire mon nom. Je suis un assassin, je suis supposé être subtil et tout. Identité secrète. Mais non. Allez, à ta santé, Arnaud. Merci de dire mon nom devant tout le monde. Cette mémoire est bizarre. Elle est isolée des autres données d'Elix. C'est bon, c'est réglé. Mais je me demande où mène ce détour. Peut-être à une autre séquence ADN. Y a qu'un moyen de le savoir. C'est d'y aller. Mais pour l'instant, je vais aller à la boutique parce que j'ai besoin d'aller me remplir les méninges. Et quand je dis remplir les méninges, c'est remplir les munitions. Parce que pour utiliser tout ça, il faut être intelligent, n'est-ce pas? C'est-à-dire appuyer n'importe quoi, appuyer n'importe quoi. Donc, est-ce que j'ai assez de bombes? Non, c'est parfait. Vraiment désolé si je tousse beaucoup, j'ai une toux chronique, donc ça me fait chier dans le cul. Il y a quelque chose de coincé dans ma gorge. Et à chaque fois que je parle, je sens que je bouge quelque chose dans ma gorge et puis ça me donne un feeling bizarre qui me donne envie de tousser et tout. C'est vraiment bizarre. En tout cas, alors là, je vous ai promis de vous montrer les costumes qu'on pouvait recevoir dans cette DLC gratuite. C'est super cool. Hein? Attends, un DLC gratuit, pas gratuite. Je suis trop con. Bon, préparation de l'équipement. On peut aller dans les équipements ici. Et là, si nous allons dans les tenues, regardez, il y a 3 nouvelles tenues. Tenue de pilleur, tenue de Bonaparte et le masque de fer. Ah, mais pour les débloquer, il faut que je joue au Dead Kings. Il y a aussi une nouvelle arme, là. Vous savez ici, les mortiers guillotines. Mais pour les débloquer, il faut que je joue aux missions principales. Alors, c'est ce que je vais faire. Attendez. Ok, ouais. Même si j'ai de l'argent, je peux pas les débloquer. Il faut que je joue aux missions principales. C'est parfait, on y va. J'ai hâte d'utiliser cette nouvelle arme. Alors, on s'en va vers notre destination. Et c'est vraiment sombre cet endroit, hein? Ouais, on dirait une cité fantôme ou quelque chose du genre, là. Ah!
Le bonhomme m'avait prévenu, hein? Dans le bar, là, il avait dit « Hey, fais attention !» La crypte royale doit être sous la basilique. Ok, nice. Ah oui, la map, ça ressemble à quoi? Donc, il y a 1, 2, 3. Ok, il y a 3, disons, area. Alors, c'est super cool. C'est petit, mais c'est gratuit. Alors, c'est correct, c'est correct. Oh, pourquoi tu me pousses comme ça? Ça fait longtemps que je me suis pas battu, alors je sais plus comment on bat. Je sais comment on part les coups encore. C'est triangle? Non, triangle c'est... Ok, c'est cercle. Désolé, c'est cercle. Bon, ils sont tous morts. Alors ici, je peux aller faire la vision d'aigle ou je ne sais pas comment t'appelles ça là, mais... Il faut juste que je monte... je peux pas faire ça ici. Alors, on va aller voir à quoi ressemble cet endroit à partir de là. Allons-y, allez monte! Ah, come on Arnaud là, fais pas ton poussi. Voilà. Ouais, on dirait vraiment une cité fantôme ça. Hey boy, si j'étais Arnaud, j'aurais peur de faire des missions ici. Pourquoi il y a tellement de brouillard et tout? Je comprends pas, ils ont pas de ventilateur pour faire sortir ce brouillard? Oh, non, je veux sauter sur une botte de foin. Y en a-t-il ici? Moi, j'en vois pas. Est-ce que c'est là? Est-ce que je l'ai? Oh! Et bien sûr que je l'ai eu! Nice! Yes! Bécane de Bonaparte. Oh, c'est nouveau, ça. Tout doucement. Tu ne m'as pas vu. Ah non, c'est mon pote, lui. Voyons donc, il est en bleu. Ok, je vois un genre de point d'exclamation à l'intérieur. Je me demande c'est quoi. C'est quoi, ça? Ça me dit rien. Légende. Comment on sort la légende? L3. Bon. Il y a... Non, il y a rien avec un point d'exclamation. Je voudrais bien aller dedans juste pour voir ça a l'air de quoi. Non. Ne me tuez pas. Non. Je suis votre ami. Je travaille pour Bonaparte, bande de cons. Laissez-moi tranquille. Aïe. L'entrée doit être... Ouais, il doit être ici, hein. Non, même pas. Il est où l'entrée pour vrai? Bon, d'accord, c'est sûrement... Oh! Sûrement de l'autre côté. Ah, ok. Faut que je fasse la mission pour pouvoir entrer dedans. D'accord. Je vais pas les tuer. C'est quand même mes amis. Je sais qu'ils sont caves et tout, mais ce sont quand même mes amis, alors... Ah! Ok, mais il y a un ennemi ici. Oh boy. Bon, laissez-moi partir! Allez, hein? Quoi? Hein? Quoi? What the fuck? On me dit d'aller là-dedans, mais... Hein? Est-ce que je suis con? L'entrée... était là, juste au début. Et comme j'étais là au début, il fallait juste passer par la porte d'entrée. Comme ça. Là-bas, salut, t'as rien vu. Non, t'as rien vu, bye. Bon, là, je suis dedans, je sais pas, ça représente pas cet établissement-là. Et laissez-moi tranquille. Non, je vais pas vous tuer, vous êtes mes amis. Vous êtes mes potes. Arrêtez, non, laissez-moi tranquille. Non, laissez-moi passer, je veux juste aller quelque part. Ok, comme ça, oh oui. Oh boy. Descends! Mais laisse-moi passer! Oh oui, bye! Ah ah, là je suis dans la crypte royale, j'espère qu'ils vont pas me suivre. Ouvrir! Oh boy! Comment j'ouvre ça? Allez, quoi? Devenez anonyme! Bon ben, on dirait bien que je dois vous tuer, hein? Comme ça! J'espère te tuer comme ça! Allez, viens-t'en toi! Regarde cette attaque de la mort! Oh, t'as aimé ça, oui? Prends ça! Oh! Mourez tous! Y'a personne! Ok, lui c'est... Ah, oh, c'est pas le dernier! Oh, contre-attaque! Oui! Allez, viens ici! Ah! Y'a tellement d'ennemis qui viennent un par un! Venez tous en même temps pour que je vous bute! Allez! Viens! Oh! Toi, qu'est-ce que t'as essayé de faire, hein, par derrière? Ça me pousse! Oh, toi là! Attends, tu mérites juste un gunshot! Attends! Oh non! J'ai foiré mon coup! Hein, qu'est-ce qui arrive? Ok, vous savez quoi? Bon, j'en utilise deux, comme d'habitude, parce que ce jeu n'a pas encore réglé tous les bugs. Voyons donc. Hé! Laissez-moi tuer tout le monde! Toi! Aussi! Et bam! Ha ha! Dans ton cœur! Bon, parce que je peux y aller, j'ai pas besoin de fouiller. Non. Ok, on y va. Je vois des rats. Alors, Louis, où est-ce que tu te caches? Il y a beaucoup de rats ici. Est-ce qu'il y a des rats morts? Attends. Non, tout le monde est vivant. Ouais, ok, tout le monde est vivant, au moins. Il y a vraiment, vraiment beaucoup...
beaucoup de rats. J'aime pas ça, je déteste les rats. Vous entrez dans une zone d'enquête. Rien par ici. Ok. Ici? Rien. Rien? T'as même pas ouvert ça, comment tu peux savoir? Rien par ici. Eh, mais voyons donc. Non, pas ici. Mais y'a des rats. Y'a des rats. Rien par ici. C'est tout ce que tu dis, rien par ici? Trouve des synonymes, je sais pas. Y'a rien ici. Absolument nothing, je sais pas moi. Oh, c'est ça. Tu décides juste de... Ce gars-là, il décide de pousser... Un seul cercueil. La porte du temple est tout près. Regardez le plan. Il n'y a rien ici. Tu m'as fait perdre mon temps avec ces fantaisies. Vous mettez mon honneur en doute? Ton honneur de soldat? Ne me fais pas rire. Tu es libre de rompre ton engagement. Mais moi aussi, je suis libre. Et je peux me montrer violent. Je me suis trompé, capitaine. Mais j'ai appris qu'il existait une liste des reliques volées dans la tombe. Je peux vous y conduire. Elle est aussi précieuse que le temple. Ce n'est pas ce que je cherche. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Est-ce que tu veux la même chose que moi? Oui, monsieur. Bien. Dans ce cas, nous sommes d'accord. Trouve le temple, et tu en sortiras peut-être vivant. Ravi d'avoir fait affaire avec toi. À l'aide! Désolé, mais ce gars, il va pas rester vivant. Je vais le tuer maintenant. On dirait qu'on est dans la momie ou quelque chose. C'est quoi ce bruit? T'as peur, hein? Ok, ok. Allez, viens-t'en, viens-t'en. Il doit finir par quoi? Arrière, fantôme! Je suis pas un fantôme! Calme tes fesses! Oh! Wow! Il s'est téléporté! J'ai vu un coffre! Ah, je voulais tellement prendre le coffre! Et il court super rapidement! J'aurais dû faire ça en furtivité, je pense, hein! Il est tellement rapide! Wow! Je vois que lui, c'est un gars qui s'enfuit beaucoup! Oh boy! Ok, oh boy! Il s'est fait fourrer dans le cul! Oh là 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 là! Requiescat in pace. Repose en paix. Ça ne te dérangera pas, n'est-ce pas? Tu es mort. Merci, monsieur. Le plan. Liste de dons poiriers des reliques volées dans la bibliothèque de l'abbaye. Le manuscrit... Quoi? Le manuscrit quoi? Hein? Lanterne! Ok, maintenez L3 par les lanternes, nanana, lorsque la lanterne est vide, remplissez-la à l'aide d'un pot. Des pots apparaissent sur la carte lorsque la lanterne est à court de combustible. Doit y figurer. Ok. Quoi, quoi? Allez, allume ta lanterne. Mais allume-la. Bon. D'accord. Interagir. Comme ça, c'est bon. Là. Ah, voilà. Yeah! Dégueulasse! De nombreuses créatures vivant sous terre risquent de vous barrer le passage. Mais la lueur d'une lanterne les fera fuir. Ok, c'est bon. Yeah, dégueulasse! On dirait vraiment qu'on est dans la momie, hein? Bon, ben, je dois... Ouh, Arnaud, t'es super courageux, mon gars. Super courageux. Vous voyez, Arnaud, il est super gangster. Parce que lui, il a même pas peur de se faire enfermer ici. Il panique pas comme le petit méchant. Le petit méchant, il dit comme... Oh mon Dieu, non, au secours, ah! Puis moi, je suis comme... Oh, merci pour la carte. Et après, je suis vraiment calme. Je cherche une issue de secours et une tout. Une entrée secrète. Une entrée secrète. Attends, donne-moi ça. C'est pas fini. Oh. Allumer les braseros. Où ça? Je voudrais bien savoir où ça... Ah, d'accord. D'accord, mais allume. Allume. Vas-y. Ah, voilà. Nice. Super gentil, garçon. Hein, voilà. Allez, encore. Non, va. Yeah, vas-y. Bon, allez, go. Wow. Hii. Y'a beaucoup de chauves-souris ici. Hi-la-la, je suis Batman. Je suis Batman. Oh, une chance. Une chance qu'il y avait ces choses-là ici. Bon, ben en tout cas, vous savez l'ennemi que j'ai tué tant... Ben, je l'ai pas techniquement tué, il s'est suicidé. Ben l'ennemi là, qui est tombé de haut et qui est mort. Même s'il trouve l'issue de secours, il pourrait jamais faire ses escalades. Jamais, jamais. Ces acrobaties là, c'est pas pour lui. Il regarde trop la télé et tout, alors il pourra jamais faire ce que j'ai fait. Regardez ça. Il va sauter là, comme hop, hop, mais il va tomber direct. Oh, pauvre le mec. Une chance que je suis un assassin. Qu'est-ce que je fais là? Je dois monter, hein? Ok, on monte. Allez, dépêche, dépêche Arnaud.
On va aller trouver le petit roi et on va aller en Égypte après avec notre belle petite femme qui s'appelle Élise. Ah ben non, Élise est morte. Qu'est-ce que je dis là? Voyons donc, j'ai complètement oublié qu'elle est morte. Ça me fait chier dans le cul. Je savais pas à quel point. Je l'aimais tellement ce personnage. Ah, ah, j'ai réussi à sortir. Bye bye. J'espère que je pourrai avoir mon mortier bientôt. Ça a l'air tellement cool comme arme. D'accord, donc j'ai coupé un peu la vidéo pour arriver à destination plus rapidement. Alors là, nous sommes dans un endroit bizarre et ça me fait les chiottes. Oh boy. Oh non. Ennemi et ami. Ennemi, ami, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Je croyais que les deux camps ne pouvaient pas se supporter. Alors pourquoi les deux sont là? Ah, s'ils se voient, ils devraient se battre, non? Hé! Voyons donc. Ok, moi je m'en vais. Bye bye. Encore des catacombes. Non. Il y a des soldats en bleu là-bas. Regardez la minimap. Tellement d'ennemis. Hé, regardez. Mieux que ça, il est toujours dans notre campement. Mais je ne t'ai rien dit. D'accord? Pourquoi les hommes en rouge et en bleu sont amis? What the fuck? Ils sont supposés se battre à vue de... Waouh! Ok, c'est bon. Bon, meurtre discret. Hein? Ça, c'est objectif secondaire. Je crois pas que j'en ai besoin. Ah ah, il m'a pas vu, gna 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 gna. Gna 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 gna, vous voyez rien, bla 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 bla. Faut juste que je trouve la bibliothèque. Mais c'est sûrement pas dehors. Qui mettrait des livres dehors, hein? Alors là, c'est sûrement... Ah! Est-ce que c'est ça? Récupérer? Récupère! Ah non, faut que je devienne anonyme! Oh boy! Je suis resté en l'air pendant un petit moment, vous avez vu ça? Donne-moi ça! Oh oui! Pète la gueule de tout le monde, petit Arnaud! T'es capable! Oh oui! T'es... Arnaud là, je comprends pas pourquoi il fait des moves bizarres. Vous voyez, comme, il se bat de façon flashy et tout. Il veut se penser bon et tout. Regardez comment il se bat. Il fait des pirouettes et tout. Mais t'as foutu une bombe fumigène. C'est pas comme si les ennemis te voient en train de faire ça. Voyons donc. T'es pas obligé de faire tout ça. Tu peux juste faire toc 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 et c'est fini là. Bon. Fouiller. Non! Mon livre porno! Ah, ok, ok, il est là. La liste de Don Poirier. Elle dit que le manuscrit de Condorcet se trouve dans la vieille maison rouge. Il a ajouté un nom, Léon. Léon. Ben, vous savez, avec un nom, on peut tout trouver. Hé, hey, c'est... Ok, ok, ces bonhommes en rouge, ok. Est-ce qu'ils sont cons, ces bonhommes en rouge? Ils voyaient que je me battais contre des bonhommes en bleu, alors ils se sont dit, ok, on va le laisser faire la job, là, il est en train de nous aider. Donc, moi, j'ai plus besoin de rester ici, alors je m'en vais. Mais là, les deux, là, ils s'enfuient même pas, ils restent là à fumer leur cigare, je sais pas, là, ils s'en foutent dans la tête. Et puis, je suis dans un mauvais endroit, c'est pas très très bon. Ok, fuir l'abeille. Je suis toujours là, hein? Pour ça. Fier là-bas. Fier là-bas. Je sais même pas comment dire ça. Abayer. Arnaud avait prononcé ce mot tantôt. Et j'ai complètement oublié. Je crois que c'est l'abbé, hein? Citoyen. Allez, vite, avant qu'on te gunshot. Plus vite, plus vite. On va te gunshot dans quelques instants. Vite, vite, vite. Dépêche, dépêche, dépêche. Monte. Oh boy. Ok, vous devez fuir le secteur. No shit, Sherlock. Le monde est en train de me suivre. Ah oh, non, je peux pas faire. Je peux pas faire ce petit saut. Ok, ok, je peux faire ce petit saut. Et on s'en va, on s'en va. Bon, ok. Meurtre discret, je les ai pas fait. Je m'en fous. Séquence 13, mémoire 1 terminée. C'est super génial. Alors, j'ai eu. Quoi? Attends. Récompense lanterne. C'est tout ce que j'ai eu? D'accord, c'est cool. Bon, ben. Oh! Les amis, nous allons arrêter la vidéo ici. J'espère que vous avez aimé cette première... Attendez. J'espère que vous avez aimé cette première partie sur Assassin's Creed Unity, Dead Kings. Si vous voulez supporter cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour savoir quand je sors la prochaine partie tout en vous joignant au gang de couilles. Au revoir et à la prochaine!